D'ici et maintenant 95.2 FM. Depuis plus de 3 ans, Radio Ici et Maintenant émet sur le canal 9A de la RNT, la radio numérique terrestre, où nous avons retrouvé notre pleine fréquence. Ça suppose de vous équiper d'un poste en DAB+, mais nous y sommes présents 24 heures sur 24, comme en bon nombre d'autres stations. On vous attend 24 heures sur 24, sur le canal 9A de la RNT. Lundi et dernier samedi de chaque mois, dès 23h, retrouvez David Abassian en direct sur l'antenne d'ici et maintenant 95.2 FM. Bonsoir à tous. À l'autre lundi, et David Abassi est avec vous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bons week-ends et de bonnes vacances. Tout est fini, vacances, week-ends, et tout a commencé. On est le bienvenu, on peut dire, dans la vie après vacances d'été. Mes chers amis, n'oubliez pas que vous avez la parole. Dès que vous voulez, vous pouvez commencer à nous appeler et intervenir sur votre antenne. 95 Radio, ici et maintenant. Voilà. Mais il y a beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et à ce sujet, on va parler ensemble. On va discuter. On va parler avec vous. Et vous avez, comme d'habitude, la parole pour vous exprimer. Allez, David Abassi, comme je vous ai dit avec vous. Et n'oubliez pas, nous sommes diffusés également sur l'Internet en tapant ici et maintenant.com. Vous pouvez nous regarder comme vous regardez à la télé. Et notre radio est désormais présente, comme vous avez entendu dès le départ de notre émission, 24 sur 24, sur la radio numérique terrestre, et sur le canal 9A de votre poste de radio DAB+. Plus.
maintenant, non, 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 ici, ici, et maintenant, non, non, ici, ici, et maintenant, non, non. J'arrive quand je veux, 95.2 ici et maintenant. Vous écoutez radio ici et maintenant. Maintenant. Ici et maintenant. 95.2 FM. Vous écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps présentée par David Abassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Alors, mes chers amis, le Premier ministre, il a mis fin à une grande polémique qui existait, cette polémique, depuis déjà des années, fumée dans les lycées. Alors, désormais, à partir de demain, voilà, interdiction de fumer. C'est interdit de fumer dans les établissements scolaires et dans les cours des écoles. C'est interdit, vous n'avez plus le droit de fumer, et que vous soyez étudiant ou professeur, je ne sais pas qui, c'est interdit de fumer. Vous savez, il y a 73 000 morts chaque année de tabagisme. Et ça, c'est grave, c'est un combat. Alors, les militants de ce combat ont déjà gagné, voilà, on peut le dire. Cette interdiction a été annoncée tout à l'heure par le Premier ministre Edouard Flip. Il aurait pour et il aurait contre, puisqu'il y a beaucoup de lycéens qui fument, beaucoup de professeurs aussi qui fument. Alors certains pensent, surtout les médecins, les spécialistes, pensent l'individu qui peut résister dans l'avion pendant 5 ans, 7 ans, pardon, 5 heures, 7 heures, 10 heures, de ne pas fumer, il peut facilement résister mais quelques heures au lycée. Et il y avait, comme vous pouvez savoir sans aucun doute, la question de sécurité, puisque les enfants, enfin les grands, les lycéens, ils étaient obligés de sortir de leur lycée et fumer devant la porte. Et actuellement, nous sommes en vigipirate, voilà, on peut dire en situation spéciale antiterroriste, et ça c'était grave, puisque l'assurer la sécurité des gens qui sortent pour fumer aussi, ça coûtait de l'argent, c'était difficile. Et pour ça, une grande partie du peuple français peut être satisfait et content de cette décision, mais de l'autre côté, sans aucun doute, il y aurait de petites contestations. Je ne sais pas vous si vous fumez ou non, si vous êtes pour ou non, mais je sais très très bien, même les gens qui fument, ils sont pour ne plus fumer, puisqu'on a beaucoup d'exemples, beaucoup de gens, après des années de tabagistes, ils décident de ne plus fumer,
Et s'ils ne sont pas, enfin, certains médecins, ils disent que c'est des drogués. Mais moi, je n'ose pas de dire ça. Mais certains, ils disent que c'est des drogués. Et les gens qui ne peuvent pas fumer pendant 2 ou 3 heures, et c'est des drogués. Alors, abandonner tout un coup, facile ou non facile, vous avez des expériences, oui ou non, ça peut être notre sujet de ce soir, mais si vous avez d'autres idées à lancer, ça sera aussi avec grand plaisir. Mais moi-même, je veux vous dire, David, moi, depuis l'âge de 16 ans, 17 ans, que même actuellement j'ai des photos, j'aimais beaucoup fumer la pipe. Puisqu'on avait à l'époque un premier ministre, Amir Abbas Hoveida, et il fumait la pipe. Et moi, je dessinais le caricature de ce monsieur, premier ministre, avec le pipe. J'étais un enfant, voilà, 16 ans, 17 ans. J'ai fumé pendant, on peut dire, 35 ans, le pipe, et même de temps en temps le cigare. Cigarette, non, jamais, j'ai pas acheté des cigarettes pour fumer, je peux vous le dire. Mais pipe et le cigare. Mais un jour, il y a déjà une dizaine d'années, peut-être 9 ans, même à l'époque, peut-être vous avez pu constater sur l'antenne, il y a certaines vidéos de l'époque, que je fumais la pipe. Mais j'ai arrêté il y a 9 ans, voilà, environ, et depuis, j'ai plus fumé. J'ai plus fumé. Ça, c'est une décision qu'on peut le prendre, moi, je pense. Regardez, après 35 ans, j'ai pris la décision de ne plus fumer. Alors, vous avez la même expérience. De temps en temps, c'est difficile. De temps en temps, on dit, voilà, j'ai ce problème-là, c'est l'idée. De nouveau, ça revient. J'en sais pas pour moi si ça va revenir ou non, mais actuellement, même tous les médecins nous conseillent de ne plus fumer, comme vous venez d'entendre, mes chers amis, 73 000 morts par an, c'est grave. Et pour la plupart des fois aussi, moi, je connais beaucoup d'amis, enfin, pas quand je dis beaucoup, vraiment, c'est beaucoup. La fin de leur vie est arrivée à cause de tabagisme. Voilà. Sur cette antenne, de temps en temps, vous avez entendu certains reportages assez importants de lobby, de mafia, de tabac, de cigarettes. Ça, c'est un peu grave pour l'humanité, on peut dire. Mais je ne sais pas. On est jeune, on est vieux, on est femme, on est homme. On a envie de fumer. De temps en temps, quand on dit quelque chose, il dit, c'est pas grave, un jour de moins. Si je vis 10 jours de moins ou un jour de moins, je m'en fous, voilà. Je veux fumer. Mais Edouard Philippe, ce matin, après le baisse de Macron dans le sondage, on peut dire, cette décision, je crois que ça va être favorable pour Edouard Philippe. Puisque c'était une décision forte et courageuse. Parce qu'à l'époque, vous savez, oh là là, on a beaucoup discuté, même négocié à l'époque sur ce sujet-là. Je me rappelle quand on disait qu'il y a 100 écoles, 100 lycées qui l'avaient. Que les enfants, ils avaient le droit, enfin, les étudiants et les professeurs, le cadre scolaire, avaient le droit de fumer dans leurs établissements. Une centaine, il y avait. Autorisation totale, fumer. Mais ça, c'était très courageux, surtout que fumer, écoutez, tous les slogans qu'ils ont mis à droite, à gauche, et tous les combats que les intellectuels, les médecins, ils ramènent déjà depuis des années. Et c'est vrai qu'il y a maintenant moins ou moins des gens qui fument comme ce n'est pas comme avant. Hein. Avant, à l'époque, oh là là, vous voyez, même président de la République, il prenait la cigarette. Et il fumait devant la télé à l'époque. Enfin, fumait, ou les artistes. Il fumait. Ce n'était pas des publicités, c'était, comme on peut dire, question d'habitude. Et comme ils disent certains, voilà, d'être drogués, on dit drogués, voilà. Ils ont abandonné. Alors, vous, mes chers amis, vous fumez? Vous ne fumez plus? Ça vous intéresse, ce sujet? Puisqu'on a encore d'autres sujets. Et même si vous avez des choix parmi les sujets,
pour discuter ensemble, n'hésitez pas, 08 92 23 95 20. On est là pour vous écouter, mes chers amis. Je vous embrasse et j'attends vos appels. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse, animée par David Abbassi, en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Écoutez Radio Ici et Maintenant sur 95.2 FM et dans le monde entier par internet, icietmaintenant.com. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi, écrivain et historien, tous les lundis et chaque dernier samedi du mois dès 23h. Vous avez la parole pour vous exprimer et poser vos questions en composant le 08 92 23 95 20. 08 92 23 95 20. Mes chers amis, c'est l'essai nucléaire de la Corée du Nord qui a fâché le monde entier, on peut dire. Voilà. Avant tout, c'est les Américains. Ils sont très fâchés. Alors, ils sont en train de trouver des alliés, surtout la Chine et la Russie, pour pouvoir répondre militairement à ces ambitions de Corée du Nord. La Corée du Nord, voilà. Essai nucléaire, dangereux, bien sûr, mais vous êtes pour ou contre? Est-ce que c'est courageux ou c'est de l'imbécilité envers le monde? Et que pensez-vous? Quelle est votre idée? Corée du Nord, est-ce qu'ils cherchent la guerre pour récupérer l'autre partie de Corée du Sud, oui ou non? Ou peut-être il y a d'autres... vice caché, on peut dire, dans cette provocation de la part de la Corée du Nord. Vous, que pensez-vous? Qu'est-ce que vous avez comme information? Parce que vous savez, de temps en temps, certains actes courageux, on dit que c'est des actes de folie, c'est des fous qui font certains actes courageux. Est-ce que c'est courageux vraiment de faire face au monde entier? Parce que je suis sûr et certain que d'ici demain après-demain, même la Russie et la Chine vont entrer dans le camp des Américains et des Européens contre ces essais nucléaires. Est-ce que c'est pour détourner aussi l'attention du monde, de certains sujets vers la Corée? Est-ce que Donald Trump, qui a des problèmes dans son pays, ça va arranger son coup
D'avoir un autre guerre après l'Afghanistan, après l'Irak, après la Syrie. Alors, un autre guerre, ça sera là-bas, de ce côté-là. C'est les deux Corées, qui vont faire la guerre et dépenser, les stocks des armements américains et la Corée du Nord. Oui ou non, est-ce qu'on va finir toutes les forces militaires de la Corée du Nord en déclenchant une guerre avec Corée du Sud? Ce sont des questions que vous pouvez répondre puisque ce sont des avis. Qu'en pensez-vous? Ça, ce sont des avis sur le sujet qui passe dans le monde.